Salam à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui 27 juin 2022, Projet du Maroc a choisi de vous parler de l'information selon laquelle Al Jazeera sera reliée par hélicoptère à Tanger et Tétouan. Cette information a été confirmée à la radio Cadena Ser par le président directeur général de la société espagnole Helicopter Airlines, Antonio Barranco. Il a précisé que ces voyages seront lancés lorsque l'héliport, aéroport pour hélicoptère, d'Al Jazeera sera déclaré comme « frontière extérieure de Schengen ». Pour le moment, Helicopter Airlines dessert la ligne Al Jazeera Septa. Toujours d'après Antonio Barranco, Eliti assurera dans un premier temps la liaison Al Jazeera-Tanger et desservira, plus tard, la ligne Al Jazeera-Tétouan. Les futurs voyages par hélicoptère sont en effet prévus à partir du mois de septembre. Selon une source au sein de cette entreprise, l'héliport d'Al Jazeera vient de recevoir le matériel nécessaire pour pouvoir recevoir les voyageurs en dehors de l'Union européenne. Il s'agit de cabines d'agents des frontières mobilisées lors du processus d'admission sur le territoire espagnol. L'annonce, qui devrait réjouir des milliers de Marocains désireux de rejoindre l'Espagne sans passer par la fastidieuse traversée du détroit de Gibraltar, précise que la durée du voyage ne dépasse pas 15 minutes. Par ailleurs, le tarif moyen de la traversée est estimé à 500 dirhams, sachant que le prix du voyage par bateau est fixé à 300 dirhams pour une traversée d'une heure. A souligner qu'Eliti opère à l'aéroport de Septa, Melilla et Malaga et dispose de 3 appareils. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.